Uno dei rimproveri che ci fanno i genitori è: sì, voi fate i figli, ma sono ancora piccoli, vedrete quando saranno grandi, che vi diranno? Non hanno avuto un padre, non hanno avuto una madre, come possono crescere bene questi ragazzi? Come diventeranno adulti? Bene, abbiamo Clément che è qui, che ha 27 anni, ha un fratello più grande di 29, uno più giovane di 19 anni. E mi sembra che stia bene, insomma. La prima domanda è: ci rimproverano di mettere al mondo dei figli perché questi bambini cresceranno male, avranno delle difficoltà, non saranno felici. Ecco, vorrei che Clément così ci desse già la sua opinione su questa questione. Juste bien. Donc je ne vois pas franchement. J'ai rencontré d'autres enfants qui allaient très bien aussi, qui sont aussi mieux que moi. J'ai plus ou moins grandi avec deux enfants de parents parallèlement, qui vont très bien aussi. Si, vous mettez dans le monde des filles et vous les mandate à scuola, dans la gabbia del leone. Che succede à scuola? Che gli dicono a questi bambini qui hanno due mamme e due papà? À l'école, j'ai subi aucune discrimination. Il y a un seul épisode dont je me rappelle, c'était au lycée et c'était même pas dirigé directement contre moi, indirectement. C'était une fille, il y avait un exposé sur l'adoption d'enfants par des couples. Il y avait une séance de débat après cet exposé, et cette fille de ma classe, que je connaissais depuis 3 ans, je n'avais pas de souci particulier avec elle, a développé un argumentaire comme quoi l'homosexualité était une maladie transmissible aux enfants, et que si les parents adoptaient leurs enfants, ils la transmettaient à leurs enfants. Voilà. Donc c'est le seul épisode. Je me rappelle, c'était pas vraiment un souci en fait, mais je me rappelle d'être un peu énervé contre la fille, mais c'est le seul épisode d'homophobie, on peut dire ça, auquel j'ai été confronté durant ma scolarité. Stavo raccontando che mia figlia, che ha 8 anni, frequenta la seconda elementare. E a volte torna dalla scuola molto scocciata perché dice: mamma donna, Claudia mi ha ancora chiesto perché ho due mamme, gliel'ho già detto 5 volte, proprio non capisce niente, proprio stupida, e mi sono stancata di ripetere sempre la stessa storia. E dunque chiedevo a Clément se anche lui si ricorda di episodi simili. Oui, bien sûr, j'ai eu des questions par rapport à ma situation familiale qui interrogeait d'autres élèves. Du lycée ou du collège. J'ai jamais eu vraiment de soucis par rapport à ça, puisque mes parents m'en ont parlé très tôt et m'ont expliqué vraiment très clairement la situation, m'ont demandé si j'avais des questions. Donc j'ai eu vraiment aucun souci par rapport à ça et j'ai expliqué à chaque fois. Le souci se situe. Plutôt au niveau de la préhension, en fait, quand j'explique ma situation familiale, au niveau est-ce que le regard de l'autre va changer. Une légère appréhension, puisque vraiment légère, mais effectivement, est-ce que ça va changer, quoi. Mais de toute façon, ça va changer, mais dans quel sens, J'ai jamais eu de réaction négative. Non, mais il y a eu de réaction négative de la part des autres. Les seules réactions qui sortent de l'ordinaire, c'était plutôt « Ah, c'est trop in, c'est trop bien, t'es unique », plutôt dans le sens trop positif. Un'altra domanda, un altro rimprovero che ci fanno molto spesso è appunto questi bambini, nel suo caso, nel caso di mia figlia, crescono senza una figura paterna di riferimento, o nel caso delle coppie di papà, senza una figura materna di riferimento. Come crescono questi bambini? Come si sentono? Saranno in qualche modo arrabbiati contro di noi genitori una volta cresciuti perché non gli abbiamo offerto quest'altra possibilità? Ecco. Moi, en fait, quand mes parents, mes mères m'ont expliqué la situation,
tard vers la majorité sexuelle, elles m'ont demandé en fait si je voulais avoir une figure, pas paternelle, mais une présence masculine à mes côtés, si je voulais passer du temps avec un homme pour discuter de choses d'hommes. J'ai pas ressenti le besoin parce que j'avais mon frère qui était beaucoup plus mature que moi à l'époque. Et c'est avec lui que je passais effectivement beaucoup de temps. Et par contre, lui, qui n'avait pas d'homme au-dessus, effectivement, il avait passé beaucoup de temps avec un ami de mes mères. Je pense qu'elle lui avait proposé, enfin, elle m'a dit que c'était... elle avait proposé à mon grand frère, avait accepté, et il avait passé beaucoup de temps effectivement avec cette amie. Et elle me l'a proposé à mon tour en me disant qu'elle avait déjà proposé à mon frère et qu'il passait beaucoup de temps avec cette amie. J'ai pas ressenti le besoin. Clément est nato grazie all'amore delle sue madri, al desiderio delle sue madri di farlo nascere, ma anche grazie a un dono di questo signore belga che è donatore presso un ospedale belga, così come mia figlia è nata ugualmente concepita grazie a un donatore belga. E questi bambini e questi ragazzi dunque non hanno la possibilità di conoscere questi uomini perché sono appunto donatori anonimi e ci rimprovano molto spesso: vostri figli non conosceranno questo signore, è una mancanza, è qualcosa che li farà soffrire più tardi? Dunque rivolgo questa domanda a Clément. Absolument pas en fait. J'ai jamais ressenti le besoin de rencontrer cette personne ou même de rechercher cette personne. Parce que en fait, mis à part biologiquement, et c'est pas vraiment ça qui importe pour moi, mis à part biologiquement parlant, j'ai rien en commun. Peut-être des traits de visage ou je sais pas, la couleur des yeux ou j'en sais rien, mais c'est pas ça qui importe. Après, je serais juste curieux, mais ce serait de la curiosité. De voir la tête qu'il a pour voir de quel trait physique j'ai hérité. Sono state episodi di scontro genitori e anche di rimprovero rispetto alla questa possibile probabile. Je me rappelle d'un seul moment en fait où je me suis plus ou moins je lui ai reproché en fait cet état de fait, mais c'était juste pour lui faire mal en fait. C'était à la crise d'adolescence, c'était pas parce que je lui reprochais pas vraiment en fait. C'était plus un moyen de taper là où ça fait mal, plutôt qu'un véritable reproche. Et alors Clément, io mi sono resa conto in questo momento che per questi bambini. Voglio dire, c'è anche qualcosa di forte e di positivo che loro risentono nella loro venuta al mondo. E dunque, a Clément voglio dire, anche tu hai sentito o senti questa energia positiva in qualche modo che fa che tu sei qui, grazie a questo amore e a questo desiderio forte dei tuoi genitori. Però molte persone che pensano ancora che noi potremmo trasmettere questa specie di macchia, allora ci fanno la domanda che la ricerca ci dice che il 90% dei nostri figli saranno eterosessuali come è il 90% della popolazione. Dunque, cioè, purtroppo probabilmente i nostri figli non saranno gay e io ve lo dico bello chiaro, purtroppo. Clément, tu t'es fait cette demande? Je me suis posé la question, j'ai testé et je suis hétéro. Mais j'ai testé. Ha fatto il test ed è hétéro, dice. T'ho provato. Bravo.